Et bonsoir! Lucos, faut pas faire peur aux gens comme ça! C'est bon, comment vas-tu? J'étais en ville, moi? J'étais en ville, je la dernière fois? Ah, mais oui, j'étais en ville, je suis con! Les jeux tombent sur ma gueule, on dirait que je suis savant comme c'est pas permis. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est mieux! Je me fais éblouir, c'est mieux! Bah, en fait, je vois derrière moi, Lucos, c'est un mur, il y a la caméra, pas de bol. Donc à moins que tu sois incrusté dans le mur... Puis j'ai la clé mort de défense au cas où. Bon, je pourrais pas bien la manier parce que c'est pas le plafond ici, mais... Mais si, c'est vrai, je me souviens de la dernière coque qu'on avait fait, celle de l'âme. Avec sa momo. Une clé morte. Lucos, c'est que le début de la soirée. Calme-toi. J'ai fait faire trempette à mon infusion. Hop là, Rodriguez. Et on avait fini à 4, hein. Ouais. Ok. J'ai récupéré que deux masques. J'ai mon dernier level sur Lord of the Ring. Tu vas souffrir avec moi. Non, je ne souffrirai pas. Est-ce que je regarde mon équipe classico? La classico del Madrid. Ouais, je pense qu'on va la garder. C'est quoi la vague? Tir impitoyable. Ah oui, il a un bonus à l'attaque quand il utilise le tir à bout portant. Je comprends mieux pourquoi je le mets à tir à bout portant, lui, en fait. Oh, putain! C'était long, la journée. Je sais pas toi, mais moi, c'était long. Ah, le petit vieux. Petit vieux power! Démonstration de miséricorde. Wouhou! J'aimerais bien avoir des comme ça. Non, j'ai dit des comme ça. Moi aussi. Ah oui, il y avait une armée qui devait aller s'interposer sur le chemin. On va péter. Mais non, mais d'abord, on me parle. Qui me parle? Un décret pour l'armée. Les guerriers du paradis. Déjà fait. Ce qui va être compliqué, c'est de retourner sur New World ou pas. Le jeu me saoule visiblement et à peine co, je me suis déco. Bah alors là, je te l'annonce de bout en blanc. Hein. Le jeu, il te plaît pas. Hein, c'est, y a pas à tergiverser du cul. Hein. Si à peine connecté au jeu, tu t'en déco. C'est que le jeu te plaît pas. Ah, je vais pouvoir voir les débats. Je sais pas ce que ça fait comme style d'unité. C'est du corps à corps. Ils ont du imposition des mains. Ok.
Moi j'ai de la fireball. Ah, marche bien la fireball! Si j'ai arrivé. Ah mais! Mais que se passe-t-il? Ah c'est des cuirassés, c'est pour ça que ça résiste bien, c'est con. Sinon, il y a Darkness Dungeon 2 qui sort demain. Mais je le prendrai pas. 69 boules pour un Early Access, non merci. C'est ultra cher, j'allais dire. Ah mais c'est des sacs à PV. Les unités ciblées. Ah mais ça marche bien contre les unités démoniaques quoi, pas contre le reste. Bon les dévas ça a l'air puissant parce que là c'est pas nombreux mais ça en tue quand même un par tour. Le problème c'est qu'ils sont pas nombreux là mes dévas. Allez, on en récupère. Pareil, il va falloir que je soigne mes paloufs. En fait, il avait une armée de tanks. Ah, mais c'est totalement aléatoire les chiffres. J'avais pas vu ce détail là. Les chiffres qui. Il défilait. Eux ils sont fixes leurs chiffres alors qu'avec lui c'est totalement aléatoire quand c'est à. Regardez. Pourquoi? T'as un truc qui fait que tes attaques sont aléatoires en termes de dégâts? Vol. Et si je clique au bon moment, je fais plus de dommages, c'est ça? Mais deux cavaliers qui sont en train de galérer à descendre l'unité de cavalier. C'est des tanks, hein, ces trucs-là. Ça tape pas fort, mais putain! On continue à taper comme ça, hein, ça affaiblira plus. Il me disait 0 à 2, j'ai tapé pile au milieu. Ah ah, t'es sous la barre des 200, que vas-tu faire? Moi, il faut que je soigne parce que sinon. Ça me coûte cher quand même, hein, cette béconnerie de. La guerre d'usure! C'est vraiment une guerre d'usure! Ouais. T'inquiète pas, je te soigne au tour d'après, toi. Ah, mais je peux te soigner là, c'est bon? Heureusement que je peux taper deux fois avec les paloufs, hein. Et par
porte-bouclier, c'est neutre. Hein. Loyal neutre. Et ça, c'est le loyal neutre aussi. Super. J'ai aucun bonus lié au fait que ça soit maléfique. Bon, en attendant, cette escouade de 24, elle est presque morte. Le mec, il y en a encore 24. Ouais, c'est presque mort. Non, c'est pas presque mort, couillon! Ouais, j'en ai quand même tué 9, ça va aider. Yes! Bientôt, je vais pouvoir récupérer ces deux escouades-là pour aller tabasser la dernière. Voilà! On récupère tout le monde! Ah, ça va vachement plus vite, hein! Ah, vous avez l'embarras du choix maintenant, les nains, pour taper. Eh! T'as l'embarras du choix, tu tapes cela. Par contre, il m'a bouffé. Ce combat va m'avoir bouffé masse énergie. Hein. Mais le sort là, celui-là, il est très puissant face aux démons, c'est cool. J'ai bien fait de le prendre. C'est peut-être plus intéressant que le fait d'avoir des troupes des anges. Bon, ça sert que face aux démons, mais. Allez, tu m'en fais 7. 4. J'avais 17. Il n'y a pas un moyen de. Putain, c'est vraiment des putains de sacs à PV, les nains. C'est vrai qu'attends, j'ai des sorts de soins sous la forme d'une imposition de main. Ça me permet d'économiser un peu d'énergie pour balancer un trait de feu. Ça quand même, ça nous fait gagner du temps. Hein. Voilà, là ça va commencer à faire plus très mal. Hein, soyons honnêtes, les nains, dès que ça commence à descendre trop en termes de vie, ils ont pas des dégâts. En fait, un seul Gugus, ça fait pas si mal que ça. Hein. Il fait 2 à 7. C'est le nombre qui fait mal. Toujours. Ah, cherchez plus les nains, vous avez commencé à perdre. Ah voilà, plus que 22, ils sont 16, ils font plus que 22. Je suis pas fan hein, des débats. Leur dégâts aléatoires, franchement, me laisse un peu perplexe. Ouais, enfin j'ai perdu une unité qui est bien. Ça va, elle est revenue, mais. Sur le coup, c'est bien ces petits salopards qui peuvent assommer. Me fait penser, est-ce que je peux aller jusque là-haut? Oui. Ça va me faire récupérer de la thune et en même temps, comme ça, après, je vais pouvoir améliorer ma première armée. Que j'enverrai péter les dents. Hein, soyons honnêtes. Il y a des armées de démons en bas. Accepté. Si je pouvais les faire envoyer et détruire des trucs, ça serait sympa. Lady Camellia, but I cannot. Confess now. You must have one imperfection. Son caractère. I take great pains to conceal it, Count. Perhaps we should take a walk together sometime, and I shall tell you about it. Away from listening ears. Voilà.
On va me dire que la reine est arrivée? Non, c'est 5 débats, ok. Vertu de l'amitié. Obtenir l'aide de Nosiron. Ok. Aide de Nosiron. Oui, mais ça fait quoi? 8 prêtres des sables. Aide de Umongwing. 3 sorcières. Ok. J'ai pas le choix de la liche. Ça, c'est pas intéressant parce que j'ai déjà masse énergie. Hein. Si je regarde bien, je l'utilise à peine, j'ai 3000 points d'énergie. Ça, je m'en fous. 8 prêtres des sables, ça fait quoi? Ils sont résistants à l'acide, ouais. 3 à 5. Ils ont des... Pouah! C'est une bonne grosse quantité de PV, hein. Peau de pierre, malédiction du pharaon, malédiction des sables noirs, c'est sympa. Ça fait quoi? Ça fait pas de dégâts. Aide de l'Osiron. Voilà, hein. Clairement, le reste était un peu à chier. Je sais pas, t'avais le choix entre deux unités qui avaient à peu près autant de dommages. Sauf que l'une était vachement mieux que l'autre. Faut que je renvoie mon armée 3 par là-haut aussi. On va les faire fusionner à ce niveau-là à peu près. Fusion! L'armée 1, elle en est où? L'armée 1, elle en est où? Elle en est qu'elle va recruter ça. Et qu'elle est puissante, l'armée 1! L'armée 1 est très puissante maintenant, elle commence à avoir. Alors j'hésite entre la faire purger par là. Sachant qu'il y a sur ça, qu'il y a une grosse armée de démons, je suppose, et ça aussi, hein. Ou aller. C'est pas ici, c'est ici. Pour purger celle-là. On va aller purger là-haut. Et juste avant d'envoyer le combat, on enverra ce sort-là qui va quand même, je pense, bien affaiblir l'ennemi. Temps de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de sympa. Ah bah oui, le filtre, il doit être fini maintenant. Alors... Alors, détruire le vestige d'âme. Ça peut être marrant. Ah, je préfère le premier effet. Hein. Ça peut être très intéressant ça. En vrai, les guerriers du paradis, tous les deux tours, ça me permet de récupérer 5 pécores pour mon armée de numéro 3, donc bah, c'est pas dégueulasse en soi. J'ai pas regardé si mes armées avaient de quoi à se déplacer.
C'est vrai que j'ai Grouban en armure lourde maintenant. Bonjour! J'ai sauvegardé avant, donc ça va, il y a la sauvegarde automatique. Passer l'épreuve. Heureusement que je suis avec Groubin. Ah d'accord. Et il faut aller. Les coffres, il y a des coffres, il y a des coffres. Il y a un coffre là, on va essayer de l'ouvrir. Note elfique, j'ai bien fait. Ok. Eh mais. Ah, ils essayent tous de se déplacer, je suis con. Je déplace toute mon armée. Ok. Ouais, du bleu. Wherever my legs carry me. Yes. J'ai totalement oublié de prendre ce coffre-là. Ok. Je suppose qu'il avait une importance. Sinon, on m'aurait pas proposé de le garder. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Tac, 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 là c'est bon. Ah, il te donnait la réponse là, j'ai l'impression. Non, je peux rien faire avec ça. Pourquoi? Attends. Ok. Alors attendez. Est-ce que quand ça brille, ça veut dire que ça doit être en haut? What's in wait for me there, I wonder? Est-ce qu'il faut que tout soit en haut?
Ah d'accord, donc là c'est en bas. Ouais, celui-là est en haut. Attendez. Et si je fais ça, je le relève. Pareil pour celui-là. J'arrive pas à savoir s'il les faut baisser ou lever, en fait, c'est ça la question. C'est clairement la... And wait for me there, I wonder. La réponse n'est pas claire. Ouais, le vert. Attends, je vais tous les avoir enfoncés là. Du coup, tous enfoncés, ça change rien. Et de l'enlever. Là, je vais pouvoir enlever celui-là. Ouais, il me faut le violet, le violet, le violet, le violet, il est là. Là aussi. Il aime bien jouer à la Benblade, hein. Maintenant, il me faut le vert. What's in wait for me there, I wonder.
Ah oui, mais le jaune, si je l'active là, ça va pas le faire. Oh, attendez. C'est une ligne de l'activer dans le bon ordre, hein. C'est. Il manque quoi, le bleu? Attends, il est là, le bleu. Et le rouge. Voilà, là, ils sont tous levés, voilà. C'est une réussite. Merde, je voulais piller le coffre! Lilitu, mais t'es morte? T'es qui? Je suis un parfait imbécile. Par contre, où sont les cartes? Ni et pas de suivi. C'était une réussite. Oh putain! Et les cartes, elles sont elles sont rangées ailleurs, c'est tout. Que proposez-vous? Je vais faire ça. Non. T'as pas compris? T'es un démon, je suis un ange. Comment dire, c'est très gentil, mais tu me sers à rien de là où t'es. Il y en a combien d'attaques? Mais tu me sers à rien toi aussi. Non mais soyons honnêtes, vous me servez à rien. Et il a combien d'attaques? Elle a combien d'attaques cette saloperie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a fait. Ah, plus deux attaques de corne. Ah oui. Ah, d'accord. Alors, au moins, ça m'évite de me prendre les fichons pendant ce temps-là. Hein. Ça fait deux attaques de cornes. Oui, c'est ça. Les démons, c'est plutôt métal, hein. Par contre, on dirait qu'elle fait tout le temps les mêmes attaques, donc c'est assez perturbant, je trouve. Let the attack commence.
Heureusement que je suis plutôt pas mauvais au corps à corps. T'imagines, j'aurais joué à un magot. Ah, il y avait possibilité de me rejoindre par là! Salut, je t'ai débarrassé d'un démon! Ok, tu vas arriver de plantes. Ok, ben salut. Et du coup, tu m'as donné quoi? Non, parce que lui, il a tendance à tomber fréquemment. Donc une fois par jour, hop, il revient. Il m'a donné quoi, plus sérieusement? Sheila, mais Sheila, c'est un personnage que j'ai pas dans mon équipe. Morceau de bois noué. Attends, j'ai un morceau de bois noué qui est devenu un objet magique. Ah, il m'a peut-être filé la baguette de soins modérés. Peut-être que c'est ça qu'il m'a donné. Si c'est le cas, je me suis fait baiser. Oh putain, j'ai un truc d'intelligence plus 6. Wouhou. Il va falloir que je donne ça à Nenio. Non, non, descendez encore. D'accord. Vous allez fusionner avec une autre armée, donc... Ah merde, j'aurais pu ramener les gardes aussi. Ah, j'ai pas assez pour les payer.
Ça c'est fait. L'armée 1. Elle ne peut plus bouger. Accepter le repos. Comme ça me fait une journée sûre qui passe et je pourrais déplacer mon autre armée pour aller péter la formation des démons. Do you think your face does not betray your inner thoughts? A wolf can befriend a flock of sheep, but it will always see them as lumps of meat. Don't you agree? Non. C'est bon, mon avis, on s'en balèque. Yes, en plus, t'as réussi ton petit test pour la corruption. Tac. L'armée 1. Elle n'a pas récupéré encore assez. Ok. Ah mais héritage des anciens, je peux rien y foutre. Les ruines sans nom, il me manque encore deux masques pour pouvoir tout résoudre. Ah. Là, je peux sélectionner. Non disponible. J'ai totalement fait de la merde, je suis méga heureux. Non, je déconne. On va tenter, 9 pour 10, ça peut se faire. Attends. Donc nouveau recrutement, parfait. J'aimerais bien des auréates, s'il vous plaît. Et bah tant pis. Ok, donc ça c'est fait. C'est juste pour ça que vous m'avez. Oui, c'est juste pour ça. Ok. Ok. Bon, c'est pas grave, on a récupéré le maximum. Attends, j'ai cru voir un truc qui bougeait par là-haut. Alors, décret, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il fait le faire! Faut être con, il me propose un décret que je peux faire tous les deux jours. Ah, voilà. Alors, la peau de Grendel, qu'est-ce que je vais en faire? Là. Héritière sans scrupules. Une jeune aristocrate et demande l'aide du commandant. J'aime bien la phobie. Alors ça fait quoi?
Pourquoi pas? Et l'armure, qu'est-ce que je peux en faire? Un épieu ou... Un rondard chapeau. Rondard, parce que au moins je pourrais peut-être essayer de l'équiper à d'autres. Oui, je voulais voir la gueule de l'armée, justement. Ça me fait penser. Puissance 8. Puissance 8, c'est quand le mec il a fait 2 puissance 4 en simultané. Ça fait un puissance 8. Bon, bah, ça c'est normal. Je vais pas me priver de soldats, quoi. On me permet d'améliorer mon armée sans rien foutre, moi je prends. Et toi, est-ce que je peux recruter un officier supérieur pour toi? Mais c'est de la merde ce qu'il me propose. Enfin, honnêtement, on va attendre un peu. Je suppose que les cheveux. Voilà, classique. Ah oui, c'est vrai, tiens. Voilà. Il manque un peu de tireur dans son armée, hein. Ils le font exprès. J'ai passé la semaine juste pour recruter un peu pour son armée à lui. Hop, alors, qu'est-ce qu'il me propose pour... Venu. Ah! Ok. Dans les décrets, guerrier du paradis, bah classique. Ok, est-ce que j'ai récupéré mon sort que je peux utiliser tous les 7 jours? Oui. On va essayer de l'utiliser intelligemment là. J'ai l'impression que ça a servi foutrement à rien. Je suis désolé, hein. C'est un désagréable sensation. Bien. Très bien. J'essaye de m'éloigner là hein, pour... Ouais, c'est ce que je craignais.
Bon, au moins eux ils sont morts. Oh putain, les dégâts qu'ils font pas. Ah putain, ils ont tapé deux fois, les salauds. Super, j'en ai soigné 26. Ah là, il y en a 10 minimum de garantie, donc hein. Salut Albéric, comment ça va? C'est pas bien grave. C'était une unité qui me faisait un peu chier dans mon armée. Je te laisse la pancarte de spectateur, je suis déjà sur trois campagnes de cet opus procédure. Si je rajoute ta campagne à surveiller, je serai véritablement perdu. Mais moi, c'est pas dur! Dis-toi que moi, ça s'appelle juste massacrer du démon! En vrai, dans l'histoire, j'ai plus beaucoup de quêtes et tout à faire, donc à part aller massacrer les troupes de démons qui traînent sur la map, bah j'attends. Ah mais ils vont rien faire en dommage, je suis con. Tu es quoi, chaotique mauvais? Je devrais... Non, je suis loyal bon! Ou loyal con, si tu préfères. Mais je la joue pas loyal con. Je la joue en mode loyal intelligent quand même. Hein. C'est-à-dire que de temps en temps, je m'autorise un truc méchant de temps en temps. Ou chaotique. Ouais, ça va, j'ai perdu que 20 troupes. Nickel. Nickel, je pensais que j'allais en perdre plus, hein. Est-ce que... Carte ancienne de Skitarii. Fond. Point d'énergie. Fond. Ainsi, fond, fond, fond. Les petites marionnettes. Désolé. Ennemi juré volant. Ennemi juré grande unité. Ah, j'ai pas rencontré plus volant que ça, donc... Alors, toutes les créatures sur une ligne de 214, 748, 364, 8 pieds de long se prennent des dommages. C'est quoi cette taille de ligne qu'ils m'ont fait?
Alors j'ai deux solutions plus sérieusement là, c'est soit j'attends. Ils ont combien 18 ans. Ouais, il lui manquait des tireurs. Donc plus sérieusement, soit je pense sur moi et j'attends. Soit j'essaye d'attaquer les unités de démons en mode Yatta. Sachant que mes armées les plus puissantes sont à 9. Ouais, celle-là, c'est l'une de mes plus faibles. Hein. Allez, juste poser là en sécurité. Ah oui, tiens, j'ai pas construit là. Où c'est que tu trouves ces conneries? Sinon, plus sérieusement. Ah oui, j'ai cette ville-là à évoluer. Ah bah oui, j'ai libéré la zone, tiens, c'était mon objectif. Donc c'est bon ça. C'est bon ça! C'est bon! Une notification parce que j'ai... Ah oui, mes débats démoniques. C'est vrai que je suis en train de faire l'adoption des dragons aussi. Attends, je vais juste regarder. 33. 33 de puissance. Et lui, il a combien de puissance? 33 aussi. Eh bah écoute. On va l'envoyer jusqu'à là-haut, hein. Arrêtez. On va juste envoyer cette armée-là péter la gueule à l'armée qui vient. Histoire que. Bah, tu vois, ça limite la caste. Avant, il y avait des tireurs. Mais ça, c'était avant. Ah. A pas fait vraiment de dégâts. Allez, lancer de hache. Le Wizbot qui... Fait une heure. Oh my god. Pensais que l'heure était déjà depuis... Ah, c'est depuis un moment. Sont résistants ceux-là, hein. Enfin, sont résistants, façon de parler, hein. Il n'y avait pas grand-chose qui tapait dessus. En fait, mon armée d'inquisiteurs, elle me fait chier. Pareil avec celle-là. Celle-là, il faudrait que je vois si... Est-ce qu'on peut...
Non, on peut pas licencier les unités, quoi. Ça m'arrange pas. Je vais pas vous le cacher, ça m'arrange pas, hein. Ah, mais t'as un objectif, qu'est-ce que ton proche? Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que. Ah oui, je peux en invoquer des. Je peux réinvoquer des bestiaux. Seul empoisonné. Et j'en ai rien à foutre d'avoir des cinétistes. Logistique. 20 points d'expérience chaque jour, ouais. Ouais, 20 points d'expérience pour la logistique, vas-y, je prends. Voilà, guerrier du paradis, pour le moment, ça ne m'intéresse pas, donc je vais garder mon truc au cas où il y a un truc qui m'intéresse un peu plus. Ah, parce que j'ai pas. Je sais ce que ça fait, guerrier du paradis. C'est super pour renforcer mes armées qui ont besoin de ça. Mais là, c'est pas le but. Ah oui, j'ai fini la truc d'expérience militaire. Bon, là, techniquement, j'ai le pouvoir de lui faire mal. Bah, allons-y! Allons-y, Alonso! Mais c'est totalement un chier ce que j'ai fait! J'ai totalement merdé! Ben oui, tu m'étonnes, j'ai totalement offert mon truc à. On sait jamais, il pourrait me surprendre. Je vais en fait dire on sait jamais. Voilà. En fait, le harpon, il est à chier comme ça. Alors, ça peut peut-être être intéressant s'il y a d'autres unités sur le chemin. Ce qui était clairement pas mon cas. Parce que là. Là, honnêtement, j'ai eu l'impression de me promener, quoi. Enfin, de. J'ai eu l'impression d'amener une unité super dangereuse contre mes archers. C'est quoi ça? Route sécurisée. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Y a pas mal d'unités de démons là, elle est pétée, donc autant là, en profiter et le faire.
Ah, j'ai prévenu, hein. Aujourd'hui on pète du démon. Couché! Mais pourquoi? Ah, il y a un tas de 24, mais il est où le tas de 24? Ah, c'est qu'ils ont mis la même tête aux deux, d'accord. Alors attends. Voilà, ça c'est fait, ça a dégagé. Ça a même dégagé du terrain. On allait, je m'attends de soins hein, pour que. Pour que je sois sûr de ressusciter le maximum. Un combat rondement mené. Encore. Mais le sort qui m'a one shot la grosse unité, j'étais mort de rire. J'ai une grosse unité! On bat les couilles! Puis là, ça va me permettre de, si vous regardez, d'essayer de récupérer des trucs intéressants en termes de d'intérêt d'armée. Voilà, par exemple, là, je vais avoir la flamme tentatrice. Bon, il faut que je le repose un peu, le bestiau, mais. Bon, bah, du coup, on va dans la citadelle. On va lancer un peu la suite. Parce que j'ai bien conquéri là. Les forteresses démoniaques, il n'y en a plus tant que ça. Ah mais ça m'a éclaté de voir les trois balors en mode oh négro, va vous! Meurs. Meurs. Ça peut être dangereux. Meurs. I received regular reports about the course of your activities. And I wish to take a moment to publicly thank you, Knight Commander. Your victories as a military commander are undeniable and will not be forgotten. I am pleased that we happen to meet and work together on this one matter, Commander. We will discuss future plans and military objectives later. Now, for the main purpose of my visit. The Hand of the Inheritor summoned me here. He believes that you will require my help when you attack the Midnight Fane.
A demon lord temple virtually on top of a crusader stronghold. No one could have predicted it. The sooner we bring it down, the better. Wherever did you get this? I thought this relic was destroyed many years ago. How strange it is to see it whole again. At one time it... Je me souviens même plus ce que c'était. I am pleased that this object will serve the crusade once more. L'alliance de l'héritière. Let the Covenant's restoration into my hands be a good omen for this war. Woohoo! I thank you. J'ai perdu un truc, mais je m'en fous. I shall ask the priests to offer prayers for you, that Iomide may send you strength. J'ai eu l'XP, ça me va. Loyal, tiens. Oh my, this could prove very important. Even the merest hint of how to close the world room will be useful to us. Surveille-les bien tes mages, parce que le dernier qui a eu ça entre les mains, c'était un mage et il a un peu ouvert un passage entre les plans et les abysses et ici. I don't wish to boast, Commander, but on my own worth as much as a whole troop. Besides, I feel that I am needed here, and my blade has sat in its calm. And by that I mean like the calm before the storm. We fended off an attack. There is good news as well. Word of the Fifth Crusade's victories is spreading far and wide, inspiring new volunteers to join our ranks. The Church of Iomide has received a record number of donations. Okay, c'est bon. Which are now being used to keep your fort. Give me a sup. Okay, donc dès que je suis prêt, il faut que j'aille lui parler. Du coup, on va faire un petit check-up. Donc c'est la dernière, ouais, ok. Tout le reste, ça peut attendre, c'est pas un problème. Ok, inventaire. Ah, voilà. Nenio. Bonbon d'intelligence plus 6. Voilà, voilà. Ça devrait t'aider. Et une amulette. Comme d'habitude, on va refaire. Ah bah voilà. C'est quoi comme ça? Parchemin annulé. J'aurais bien aimé que tu prennes le sort en Ennio de vitesse. En fait, le problème, c'est que si je prends Nino dans mon équipe, ça pourrait être le faire, mais ça veut dire que je dois me passer du nain du tueur, donc d'un corps à corps de plus. Après, en vrai, Nino pourrait largement remplacer un corps à corps si elle a les bons sorts. Qui n'est malheureusement pour le moment pas le cas, hein, j'ai l'impression. Avec les sorts de vitesse, de flou, de transformation en machine de guerre. Tous ces sorts-là, mine de rien, mis bout à bout, ça pourrait me permettre de transformer Nenio en une putain de machine pour aller au combat et remplacer un autre corps à corps. Ok, donc à la masse nouveau sort. Hein. Tempête de peste, ouais, bof, on s'en fout. Sac de mort, mauvais oeil, désintégration, bref. Elle a quand même une concentration, une efficacité des sorts de 21, donc...
À plus 21, on teste pour résister à la... Enfin, pour passer ça. Ouais, la pas rapidité, c'est... C'est dommage. Petit repos, et puis je pense qu'on va lancer la suite. Je vais regarder si... Non, je dois pas avoir ce qu'il faut pour... Je dois pas avoir ce qu'il faut pour restaurer le dernier des artefacts que je vais... Je suis en train de penser, parce que... Le sang, je crois que je l'ai. Les essences, je les ai. Ça doit être le truc de nain qui me manque. Ah oui, tiens, il y a ça qu'il faudrait que je regarde quand est-ce que je pourrais pouvoir lancer la suite. Les rochers de nain, j'en ai pas. Là... Ah, il me manque deux trucs et je pourrais restaurer. J'ai bien envie de tenter avec Nenio, mais le problème c'est que je sens que Nenio va avoir des gros défauts. Va avoir des gros défauts. Du fait déjà que bah, ça me priverait d'un corps à corps. Ah bah oui, c'est parce que je fais ça. Mais oui, c'est ambitieux. Comment équiper Nenio? Avec un bâton. Ah, je l'enverrai pas taper au corps à corps, quoique. Avec un bon flou, image miroir et bouclier de mage, je pense qu'il y a moyen qu'elle commence à roxer un peu. Après, elle touchera pas. Hein. Ça, c'est autre chose. Ça pourrait être marrant. Mais après, ça veut dire que j'ai plus de nains, quoi. Celui, je peux pas m'en passer, ça a l'histoire de soins. L'âme, je peux pas m'en passer parce qu'il y a des putains de bonus aux touches. Limite, je pourrais me passer de la démone. Est-ce qu'elle est vraiment... Si elle fait mal au tir. Well, are you ready? Of course. We reclaimed Dresden, but we must take the next step. We must send the people of Dresden to take shelter. Mais c'est pas un problème. You must inform all of your companions. The hour is upon us. Est-ce que je fais le fifou comme ça, quoi? Sachant que je sais très, pas du tout ce qui m'attend derrière. Ouais, non, je suis obligé de garder le nain, quoi. C'est une sécurité. Je sais, le nain, je le connais, il fait mal. Il a des gros DPS, il a un petit défaut en défense, mais ça, c'est comme tous les autres. Au moins, il fait plus de dégâts que l'autre, et il a 6 attaques, ce qui n'est pas négligeable. Elle, il faut qu'elle passe pour un cliquer. Bonjour, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord.
Alors je reconnais le Baphomet et l'autre sauterelle. La dernière c'est Noctalis, avec qui le compteur avait passé un pacte. Bah des démons. On est parti, hein. Ah mais en gros vous me laissez pas le choix là, je... Elle est où la reine? Ah oui, elle est à côté de moi. Pourquoi je suis pas sur Gourbin? Je pense que tu vas te prendre un coup d'épée de la part de la main d'héritière. Au hasard, hein. Pourquoi vous discutez avec des démons? C'est tout? Vous avez fini de converser? Vous voulez peut-être une petite tasse de thé là pour... Merci. Oui, mais tout de suite, moi je suis pas sur mon groubin, hein. Mais vous avez amené un vieux pécor humain, les mecs! Forcément, ouf! Qui se fait marave? Oh mais c'est bon, il reste deux démons, vous allez être capable de me les flinguer. Oui, il level up. On va pouvoir continuer sur la voie du chevalier et cavalier des bêtes. Et je prendrais juste un niveau d'ensorceleur, je pourrais devenir un disciple draconien!
Ou ben barde. Ça, je prends au niveau de barde. Je peux pousser la chansonnette. Et en même temps, je deviens plus puissant. Mais non, on va continuer. Mais sur la voie. Comme ça, je gagne la grande bannière en plus. Groubin level up. Oui, on fait les deux plus importants en premier. Alors elle... On va continuer là-dedans. De toute façon, je pense que d'ici la fin du jeu, hein, je regarderai peut-être optimiser les persos et encore. Je connais pas assez le jeu pour bien faire ça, je pense. Cœur de diamant! Ouais. Pas esquive. Je sais pas, tu augmentes de 1 sa CA. Le mec, il a 32 CA, il a Walp hein, quand même, je tiens à le préciser. Ah, il a peut-être 2-3 bijoux qui lui augmentent ça, mais sinon, à côté, il a Walp. Hein. Maîtrise du tir à bout portant. Ça peut être intéressant. Ah oui, mais je l'ai déjà en fait pour l'arc long. Non, on va prendre ça alors, pour augmenter ses chances de toucher. On va continuer ta voix de l'oracle. Bien sûr, un métrage, tac tac tac. Décret. Convocation noble, ça pourrait être sympa. Il y a quoi d'autre? Soin important, vague des stades. Ouh. J'ai le droit qu'à un seul sort. Et restauration suprême, motherfucker! Destruction. Destruction. Ce sort inflige immédiatement 10 points de dégâts par niveau de lanceur de sort. Donc 140 points de dommage, hein, minimum. Déjà. Si elle perd tout de même. Et si elle échoue son test, il se passe quoi? Non, je l'ai quand même orienté soin au départ. Voilà. Alors, tac tac tac, pot secret, chercher le mystère. Bof. Ah, attaque dissipante, ça peut être sympa. Ouais.
Familier. Mais la frappe dissipante m'a l'air bien intéressante. Le roublard, ouais, mais c'est pas un roublard. Vague dissipante, parce que comme ça, avec un peu de chance, je vais pouvoir faire en sorte qu'il dissipe les attaques, enfin les sorts adverses. What? Bonjour. Hey, mais ça fait longtemps. Ça m'éclate de me foutre de sa gueule. Rends-moi service, le démon. Dégage. Non, toi. Rends-moi service, tu meurs. À l'autre, à la copiteuse. Et t'as que ça? Chérie, fais dodo. Ouais, je me mets des malus, mais c'est pour mon bien. Oh mon Dieu, il y en avait un caché. Mon Dieu, il s'était caché, que c'est-il pas mignon. Ne cherchez pas, j'ai affronté beaucoup plus dangereux et difficiles que vous. Bonjour! Entrails, please.
Nous sommes féroces, agrougrou, et nous mourrons à l'appel, hein. Oh, les salles de torture! Bonjour monsieur! Dame! L'araignée, elle a même pas commencé qu'elle est déjà à moitié de vie parce que je l'ai bourré avec. Bonjour! On a fait le tour, hein! Vous n'oubliez pas, on n'avait pas envie d'escalader les cadavres de. De morts! Vous vous rendez compte que vous êtes je sais pas combien dessus et que vous n'arrivez pas à les battre. Enfin à la battre. À un moment, il faut vous poser des questions. Hein. Et ils sont pas encore au courant que j'ai mis un anneau marrant sur le nain. C'est pour ça qu'ils continuent à lui taper dessus. Land.
Donc on n'a pas le choix, on va dans les abysses là. Ah, j'ai pas pris le temps, bah oui, normal. Bon bah, direction les abysses. T'as pas vraiment d'autre choix, hein, c'est... C'est fumeux, hein. Bonjour messieurs, nous cherchons la direction du... Non. En fait, le problème, c'est qu'avec toute cette fumée, on voit rien de ce qu'on doit faire. Parfait. C'était quoi qu'il fallait pour restaurer? Du fer, des lingots de je sais plus quoi que j'ai pas là, c'est sûr, mais c'était de la peau d'animal ou c'était autre chose qu'il fallait pour restaurer les bijoux là? Peau de créature magique. Ok, et c'est des lingots de fer froid qu'il fallait. Pas très chaleureux en tout cas dans les abysses. J'aurais pu faire une belle fiesta pour m'accueillir. C'est pas tous les jours qu'il y a un ange qui se promène dans les abysses quoi. Alors attends. Il y a réellement deux choix qui s'offrent à moi. Oui, il y a réellement deux choix qui s'offrent à moi. Bon, bah, on va faire le choix déjà de défoncer la saloperie qui nous arrive dessus. Business.
Non mais sérieux quoi. Ouais, du coup, ils ont un peu décidé pour moi. On va d'abord aller fouiller par là. Bonjour. Ah, j'ai fait exprès de prendre l'attaque d'opportunité, hein. C'est juste pour donner un appât à con. Bah voilà! C'est con, vous êtes dévoilé du coup. Ah, ça c'est fait. Ils étaient quand même vachement plus nombreux hein, au départ. Mais sinon, un de ces quatre, vous avez vraiment l'intention de nous poser une résistance ou vous allez me laisser détruire votre temple comme ça? Oh, parce que là, c'est un peu la promenade de santé, hein. En fait, dès que tu remets les trucs qui boostent les dégâts des archers, ils recommencent à faire bien mal. Ils ont jamais réellement quitté leur zone de dommage. Hein. Bon, on va pas dire le contraire, mais... Ah bah là, c'est sûr, je leur ai remis les trucs qui boostent, ça se ressent tout de suite. Je suis taré. Est-ce que tu es immunisé au sommeil? Fais dodo. Ça m'aurait fait marrer que je réussisse le fait dodo. C'est un méga gros monstre, il va faire méga malé. Bah non, en fait, il s'endort et il fait une bonne petite nuit. Il a pas l'air si résistant que ça, hein, parce que là déjà il a perdu pas mal.
The attack commences. You had your chance. I will see to your demise. I'll cut you wide open. You won't survive me. Et les sorts de paralysie, c'est ça? Alors du coup... Tiens, lance ton sort. Un peu chier de claquer des sorts pour ça, mais... Allez. J'ai pas regardé un truc, ces sorts qu'il avait grâce à... Ah, il a appris Restauration Suprême dans tous les cas. Et il a Nuage d'Orage. Ah mais oui, mais c'est grâce à ses bracelets. Création de mort-vivant. Mais vous êtes que trois ? Oups. Ah, c'était pas intelligent de mettre mon healer à portée de... Et là nous. Alors déjà j'ai pas sauvegardé depuis un moment, première connerie. Mais et là nous. Alors c'est marrant parce que ces trois là me posent plus de problèmes que toute l'armée, que tous les autres réunis. Un seul me pose plus de problèmes que tout le reste de l'armée. Count. You've crossed.
Ils sont censés avoir des bonus hein, quand même pour défoncer des. Ah. Le combat rallonge juste parce qu'ils ont des images miroirs. Ah bah voilà, à tout de suite hein. Ah il fait la gueule là, il commence à faire la gueule hein. Il m'a fallu 8 tours juste pour en abattre un. Voilà, déjà il n'y a plus d'image miroir, ça va aider. Pile quand je dis ça, qu'est-ce qu'il fait? Il m'en remet le con. Il fait quoi lui en fait à lancer des sorts depuis tout à l'heure? Ah ah, t'as été touché. Ça va aider. Enfin, si seulement je n'avais pas des putains de... L'image mini-revoir à péter toutes les deux secondes. Putain. Ah, le combat long. Le combat long juste parce que monsieur a décidé de se faire des putains de, d'images miroirs pour me faire chier. Ah bah voilà, tu vois, tu prends trois flèches là déjà, c'est vachement mieux. Vous avez décidé, c'est 8 rounds pour en buter un. C'est ça le jeu, tu as décidé. Ah tu t'es planté, j'ai mis moins de 8 rounds pour buter celui-là. Ah, c'est un conquérant, lui, il est plus fort. Il est plus fort, mais en tout cas, il n'y a plus d'image déjà là. Pourquoi à chaque fois que je dis il n'a plus d'image, à chaque fois que je le dis, il m'en claque une, le mec. Ah, c'est la théorie de l'emmerdement maximum. Hein. Je dis un truc juste pour me contredire. Ah, mais je suis vachement moins costaud sans mon groubin de compète. Moi, je suis fait pour avoir une monture entre les jambes, quoi. Mon perso, il est fait pour ça. Il est pas fait pour se promener à pied. Il a plus de force dans les jambes. Il sait à peine tenir debout. Non, mais sérieux, par contre...
prepare yourself. You won't survive me. Desna, guide my hand. Il fait quoi en fait? Dissipation. Il spanne les sorts de dissipation seulement. Mais tant que t'attaques pas, moi je suis tranquille en fait. Make every strike count. I will resist. Mais pourquoi? So many thoughts. Pourquoi? Pourquoi il a pas attaqué? J'avais deux combattants spé corps à corps, enfin spé distance. Il attaquait et gagnait. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas achevé au corps à corps? Non, donc là, il n'y a plus de possibilité. Ils avaient les chances de m'achever au corps à corps, j'ai pas compris, le mec, il est juste resté en mode dissipation, dissipation, dissipation. Ah ah, si tu places des sorts, je les dissipe. Ouais, mais j'ai des archers, mec, pas des magiciens. M'en fous, je dissipe les sorts de tes magiciens. Ok. Mais ça sert à rien, mec. Vos désirs sont dans les ordres, maîtresse. T'as l'air un peu dopé aux hormones pour un humain. Ouais, on va essayer d'arriver le plus rapidement possible pour aller les aider, mais bon. Ouais, bon. J'aurais pas dû l'avancer, là, c'est moi qui ai fait de la merde. My legs carry me. I see blood. Blood! Oh.
Ah, lui, c'est un PV à lui. Bon, j'ai répondu le plus rapidement possible à l'appel, hein. Il est tout seul, le couillon! Voilà. J'étais presque mort, mec, tu veux faire quoi? Alors, elle est où la reine? Mais c'est absurde de mettre le pied. Bonjour! Merde, c'était le dortoir! Bonjour! Bon ben, c'était le dortoir. Comment t'as fait pour déclencher le piège, sachant que...
Non, je veux pas savoir. Oh, c'est quoi les clés du serviteur de Baphomet? Attendez, la ceinture, c'était ça que vous voulez regarder. Force et dextérité plus 4. Ouais, mais... Voilà, c'est inutile. Mais par contre, sur lui. C'est utile. Ouais, on va avancer. J'ai encore du temps de jeu avant 22h. J'étais en train de me dire, est-ce que je sauvegarde aussi? Mais ou non, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Bonjour! C'est le service de chambre? Il n'y a pas un sort de dissipation, le gros là. Bon, pas vraiment, merde. Ah, il y en a au moins un chez qui ça a marché. Forcément, je suis totalement bloqué. Ah, par contre, son anneau a marché. Oh!
Ça c'est du mythique, c'est merde. En fait, tant qu'il y a les brumes, ça va être chiant. Est-ce que j'ai moyen de dissiper la brume? Là, mais déjà KO, comment ça se fait? Ah, oh, les boules de feu, c'est vrai. Putain. Alors, un, j'affronte des créatures mythiques, donc c'est-à-dire que quand je les mets KO, elles se relèvent. Deux, j'ai le poison dans la figure. Putain. Allez, trois squelettes pour emmerder son monde. Et le poubain est quand même mal en point. Ça servait à rien. Et de 1. Toujours des potes avec moi. En gros, il me reste les deux incubes qui sont près de l'oracle, plus cet enfoiré là. Hein. Ouais, non, non, lui il me fait trop chier là avec ses sorts. Il va s'en prendre plein les dents. Il me laisse mon incube. Ah non, ils l'ont flingué. J'allais dire. Merde! Ah, c'est la loose là. Ouais, c'était sûr. Dès que j'ai vu Groubin tomber, j'ai fait eh merde! Bah, c'est pas grave, on recharge juste avant la zone. Le piège! Ah, le piège, il m'a pas fait du bien! Oh là là! La brume d'acide! Quelle saloperie! Sans la brume d'acide, je pense que ça aurait été déjà beaucoup mieux. Bon, j'ai pas détecté le piège, hein, c'est ma faute. C'est totalement ma faute là. Hein, je savais pas qu'il y avait un piège, j'ai foncé droit dedans avec un de mes persos. Ah, ça allait mal se passer. Hein. J'ai Groubin qui est en mode fufu.
Non. Et ben vous savez quoi, on va se battre en retraite. Oh là, adepte démon des ombres, t'aurais pas dû te montrer. Sachant que c'est les deux adeptes qui m'ont fait chier avec leur boule de feu. Bah les flaguer, ça me semble bien. Jamais si ça peut passer sur certains. Et où ce con? Elle était pas mortelle. Oh mais en même temps, on en a achevé là, on va pas se gêner. Ah, il est là. Il a combien des mages rares là? Plus tant que ça parce que je commence à le toucher, mais... Ils sont quand même assez cons ces monstres pour utiliser des boules de feu alors qu'ils vont se faire pourrir. Non mais sérieux quoi.
Make every strike count. I will see to your demise. Écoutez, hein, les mecs, ils étaient 10 dans le bâtiment. Ils voient qu'il y a 9 de ses potes qui sont morts. Ils se disent, bon, bah, je vais y aller aussi. Je crois qu'il a pas tout compris. Hein. Il n'a pas dû être film normal, c'est un cube. Hein. Il est difforme, il est difforme. Ça veut tout dire. Tu vois tes potes se faire exploser. La logique voudrait que t'évites d'aller te faire exploser avec eux. Enfin bon, ça c'est une logique à la con. C'est la mienne. Ah, les gens sont pendus. Voilà, voilà, hein, tout de suite, hein, je suis capable de la mettre dans le mal. Ah, je suis bon quand même, on va aider les alliés. Ah, la célèbre Yanaël. Je me disais bien que... Ah, attends. Ah. La demi-mesure, non, ça n'existe plus. Nickel, j'ai fait évoluer l'arme.
D'accord. Donc t'es là depuis combien de temps? Irk. Ah bah oui, j'ai vu de toute façon. Non, c'est une scientifique qui ne s'en fout royalement des conséquences de ce qu'elle fait. Mais du coup, la nouvelle radiance, elle ressemble à quoi? Ouf, stylée. Juste visuellement, déjà, la forme de l'image est stylée. Alors, altération plus 4. Ça va commencer à parler pour la... entre les mains d'un paladin ou d'une créature mythique bonne. Cette épée, elle devient une épée vengeresse sainte. Cette arme sacrée confère une résistance à la magie de 5 plus niveau de classe du porteur à celui ou aux créatures adjacentes. Je pense que je vais recommencer à prendre la paladine. Hein. Juste pour ça. Parce qu'elle est spécialisée avec cette arme-là, et là, elle devient... pété! Par réaction simple, elle permet d'utiliser le sort de dissipation suprême une fois par round. Au niveau du classe, seule la zone, dissipation de zone est disponible. Moine! Une arme sainte est imprégnée de pouvoir sacré, elle fait et ignore une réduction de correspondante. Elle inflige 2d6 dégâts de créatures mauvaises. Ouais, faire froid donc. Voilà, elle passe ça. Et elle a un bonus de plus 4 au jet d'attaque et jet de défense. Sachant que ma paladine est spécialisée épée longue avec ça. Ouais, bah je m'en doutais, hein. L'avantage, c'est que là, je peux la taper sans me prendre les dégâts de du piège potentiel. On s'arrêterait-il pas là? On regarde la suite du temple de minuit pour plus tard. Pourquoi pas? Mais mes radiances là, bon petit boost, hein. Harnois d'annihilation magique. Donc 12 d'armure. Altération, mitraille, et résistance à la magie, plus 23. Bah, il est vachement mieux. Voilà. Hein, ne tergiversons pas pendant 107 ans. Il est mieux. Il faudra que je regarde, mais là, la paladine avec Radiance, elle va commencer à devenir très intéressante, je pense.
Du coup, on sauvegarde et on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, non, mais là, ouais, bon, elle deviendra bien plus tanky que le nain, je pense. Enfin, je vérifie, mais si elle est comme Groubin dans les 40 et quelques au lieu des 29 du nain, même si elle est à 35, hein. Ah, il a quand même moins 6 levels. Comment je peux faire pour lever ça? Ah, restauration. Je vais sauvegarder là. Mais j'étais en train de me dire, ouais, la palouf là, avec un pavois et. Voilà, comme ça au moins j'oublierai plus. Avec un pavois, une bonne armure et radiance, elle va commencer à être intéressante. La bonne armure, enfin le bon stuff de défense, radiance, et elle va roxer. Ça va faire un bon tank. Elle va replacer le nain, donc elle va revenir dans l'équipe, ce qui fera aussi une potentielle illus de plus avec Camélia et bien entendu l'oracle. Donc ça devrait être bon. Du coup, pour ce qui est de la suite des lives, demain, je vous rappelle que je suis sur la chaîne Adric Air pour continuer nos aventures Pathfinder. Donc je ne live pas sur ma chaîne. Mercredi, on va essayer de continuer une case, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs de dialogue. S'il y a trop de bugs, bon bah, on verra ce qu'on peut faire. Honnêtement, les dialogues où je vois pas ce qui est dit et que je ne vois pas mes choix, ça m'intéresse pas dans un RPG. Jeudi, on continue Pathfinder, voilà. Vendredi, ça va dépendre de mon état. Ça va dépendre de mon état et si je sors ou pas. Et ce week-end, ça va aussi dépendre de si j'ai de la famille ou pas qui descend. Si j'ai de la famille qui descend, bah clairement je pourrais pas live. Et si j'ai pas de famille qui descend, bah samedi je vais essayer de continuer Pathfinder. Dimanche, comme c'est Halloween, j'essaierai de faire des jeux d'horreur. J'en ai 2-3 là que j'ai envie de tester. Donc voilà. Et lundi, comme c'est férié, bah sûrement du Pathfinder. Voilà, voilà. Je suis en train de me dire, je vous ai fait le planning jusqu'à lundi prochain à peu près. Oui, c'est ça. Donc c'est déjà pas mal. Sur ce, de toute façon, pour savoir toutes les informations là-dessus, je vous invite à rejoindre le Discord en tapant point d'exclamation Discord dans le chat ou en allant dans la bio de la page Twitch pour rejoindre le Discord. Lâchez le petit follow aussi, comme ça vous saurez quand est-ce que je suis en live et sur le Discord vous saurez les news par rapport à la chaîne. Donc les projets que j'ai en cours, les annulations de live imprévues, les mises à jour de la chaîne YouTube par rapport aux vidéos disponibles. Discussion avec moi, les bons plans qui sont annoncés pour des jeux moins chers, etc. etc. Voilà. Et vous saurez quand est-ce que je suis en live grâce à Twitch et Discord si vous faites les deux. Si vous faites qu'un seul des deux, vous serez quand même prévenu. Maintenant, on va regarder qui c'est qui campe raid. Je peux vous envoyer sur du Ronin. Qui ont optimisé leur perso. Alors, on va vous envoyer chez Ronin. Hop, lancer un raid, non, c'est une publicité, non, faire un clip, non. Lancer un raid, voilà. Donc, je vais vous envoyer chez l'ami Ronin, qui joue en dual scream avec groupe Kaboom. Sur ce, bah, moi, je vais vous remercier d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.